In this lesson, we will see together le conditionnel présent, but more precisely, when it is used to express the suggestion. So, we can use the conditionnel présent to express the suggestions. There are several verbs, but we will focus for this lesson on two verbs because they are the quite common one to use uh, or to express the suggestion. It will be devoir and it will be. Falloir, so let's start with DEVOIR. Tu devrais prendre une assurance avant de partir en voyage. Tu devrais prendre une assurance avant de partir en voyage. So here the verb is DEVOIR, it's in the conditionnel présent form, second person of the singular, tu devrais. And by using it in the conditionnel présent form as you can see it gives in fact this expression of the suggestion you are giving an advice you are suggesting something Elle devrait s'habiller plus chaudement il fait froid dehors So same thing here hein? elle devrait s'habiller plus chaudement il fait froid dehors Tu devrais essayer de parler en français avec eux. Tu devrais essayer de parler en français avec eux. Nous devrions nous coucher plus tôt pour être en forme. Nous devrions nous coucher plus tôt pour être en forme. So as you can see in all these sentences by using the conditionnel présent. Of devoir, you give the feeling that it's a suggestion. So let's have a look now at the second verb for this lesson. It will be falloir and it will be exactly the same concept. Look, il faudrait que tu viennes me voir pour que nous en parlions. Il faudrait que tu viennes me voir. Pour que nous en parlions. c'est so le verbe falloir, conditionnel présent forme of course. It's il. Il faudrait. And by using it like that, you give a suggestion. Il faudrait qu'elle travaille un peu plus. Il faudrait qu'elle travaille un peu plus. And it's exactly the same here. You give a suggestion. It's not an order. It's nothing else than a suggestion. Il faudrait que nous révisions tous les deux la grammaire. Il faudrait que nous révisions tous les deux la grammaire. And the last one, il faudrait que tu prennes une semaine de vacances. Il faudrait que tu prennes une semaine de vacances. So as you can see, le conditionnel présent can be quite easily used to express the suggestion.